C'est un grand moment évidemment pour les joueurs, pour tout un pays. C'est l'heure de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Al Bayt Stadium. L'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'Al Bayt Stadium. Salut à toutes et à tous. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques secondes. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Au programme, ce premier match de poule du mondial pour ces deux pays. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Alors, les voilà, les titulaires pour l'Équateur. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. L'équipe dans le même 4-2-3-1 que les adversaires. L'animation de ce milieu de terrain surchargé. C'est ça la clé de cette confrontation. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du Mondial. Très bonne intervention. Ouais, c'est un bon pressing, le ballon est récupéré. Ouais, cette passe, elle est bien vue. Un drapeau levé et hors-jeu signalé sur ce ballon en profondeur. Dommage, il y avait un bon appel, mais la passe est partie avec un petit décalage. On va en profiter là pour faire un petit focus sur Iñaki Williams, parce qu'avec lui, le danger peut vite arriver. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer serein en 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé en profondeur, c'est fini. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Sorti en touche. Le ballon pour Thomas Partey. Il continue avec Iñaki Williams. Oh, il la frappe. Quelle énorme occasion de marquer le premier but. Mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Ouais, c'est un pressing efficace. De balle dans une zone hyper dangereuse, attention. Ballon pour Iñaki Williams, opportunité pour mener.
Oui, bien défendu. Le ballon sort, c'est une touche. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. La passe vers Souleymana. Il y a une bonne intervention là pour repousser le centre. Gonzalo Plata. Et c'est une remise en jeu à venir. Qu'est-ce que c'est mal donné? Vers Ayou. Il remporte son duel, bien défendu. Thomas Partey reçoit le ballon. Excellent, le geste défensif là. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Et le gardien s'empare bien du ballon. Vers Ayou. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Ah, bien joué dans la profondeur. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Et il y a un gros pressing. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Iñaki Williams. Bonne intervention, la passe est interceptée. À une occasion en or. Et la parade, dingue, quel arrêt. Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Un corner bien joué, bien frappé. Qui fait beaucoup de bien en campagne. La réalisation qui nous remonte ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon à l'autre. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Ballon dégagé sur ce centre. À faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir. Ouais, cette passe n'est pas très bien ajustée, c'est pour le gardien. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Al Bayt Stadium.
La deuxième mi-temps, c'est donc reparti dans ce match. De poule du mondial. Ballon pour égaliser. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important. Il ramène les deux équipes à égalité. On le revoit, on sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Kamaldine Soulemana. Plata. Oh oui, la frappe. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. L'absence d'ambition offensive, ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qu'il te faut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration à cause de cette situation. Et pour ça, il faut commencer par récupérer ce ballon. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Eh, bien donné ce ballon. Plata. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Thomas Partey. Abdoul Samel dérive de la balle. Excellente conservation du ballon. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Ah non, finalement le ballon est perdu. Soulemana qui reçoit ce ballon. La passe vers Soulemana. La super couverture de balle en attendant l'arrivée de ses partenaires. Ouais, c'est bien vu dans le dos de défenseur. Plata. Ouais, il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Iñaki Williams. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Ballon pour Iñaki Williams. Iñaki Williams. Tir contré sans difficulté. De nouveau présent sur ce ballon. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Et
Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Attention la frappe! Excellente intervention, le ballon est capté. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Plata. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Et voilà, c'est un changement donc. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Plata. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. C'est bien parti pour ce corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Iñaki Williams. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Et voilà une bonne récupération là. Et oui, la bonne passe en profondeur. Plata. Ouais, c'est bien joué, quelle claquette! Ah, le corner bien tiré. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Et le remplacement peut avoir lieu. Deux minutes additionnelles minimum. Vers Rayou. Ça joue avec Iñaki Williams. Ah, c'est bien défendu sans commettre de faute. Quel ballon dans le dos de la défense. La frappe, attention, ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin. Continue avec Iñaki Williams.